Pendant ce temps, José, le boulanger de Givors, a donné rendez-vous à Mélusine, une jeune femme qui habite sa région et qui vient de Pélussin. Tu sais, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on aime les mêmes choses. Ah, mais carrément. On a les mêmes envies. On aime les mêmes choses. Tu vois quoi? Hein? Ah, mais non, mais carrément. Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Hein, pour que j'ai envie de t'emmener avec moi à Givors? Hein, dans mon fournil. Ah ouais, mais tu sais, j'ai été élevée dans le pâté du pilat, donc le pâté en croûte, le pâté de tête, la terrine, ça irait trop bien avec le pain. Ouais. Mais revenons aux affaires de Ludovic, qui a maintenant rendez-vous avec Aurélia dès le lendemain du départ d'Annelise. Oh, Maloud, tu crois qu'il va tenir là, ton tas de tôle? Oh, on a des bornes à faire, nous, là, oh. Ouais, t'inquiète, Jeannou, il l'a vérifié avant de partir. Cette fois, impossible pour Ludovic d'échouer. Il a alors décidé de réunir tous ses amis au camping. Aurélia lui a dit dans sa lettre qu'elle était très sociable. Et Ludovic est sûr qu'elle adorera ses amis. Mais encore une fois, Ludovic joue de malchance, à moins qu'il ne tente le coup de la panne. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, t'inquiète, ça doit être l'alternateur qui fait plus contact avec le démarreur. Du coup, la durite, elle est en surchauffe et l'eau de la distrib a du mal à refroidir les pistons. Mais c'est que dalle, elle est costaud, ma Broadway, là. Ouais. Qu'est-ce qu'il fout, ce loup là? Il fait quoi là? Essaye de l'appeler! Ouais, le dieu, on fait demi-tour là, c'est bon. Ça me gave, on fait demi-tour. Ah, Maloud, elle est encore en panne cette caisse là? Putain, mais arrête de faire ton cake là maintenant, c'est bon! Je sais pas, moi, fais un effort, appelle le Jeannot là! Moi, j'ai le téléphone! Allez, Maloud, là, bouge-toi là! Oh. Ouais, ok, c'est bon, ouais! Là, c'est tout bon, ouais! Nickel, ça a l'air d'aller. Allez, ok, ouais. Vas-y, Aurélien, on démarre. Les ennuis terminés, Ludovic et Aurélia peuvent enfin prendre part à la fête. C'est toujours les mêmes qui bossent, oh, putain. Oh. Allez faire la bouffe plutôt. Bah, attends, yo, faut boire un coup quand même. Ah, Maloud, j'ai repéré une boîte énorme, le Calistos. Vous venez ce soir avec nous là? Ça va être bon, ouais, ça. Ouais, ça va être sympa. Ça va être énorme, Maloud, là. Allez, Maloud. Ah non, j'ai mal à la tête là, ça va pas. Oh, putain, je sais pas ce que j'ai là. Oh, on va plutôt se coucher, on regarde. Ouais, ouais, ouais. Oh, c'est le loup, ils sont pas chiés. Ça s'est fait, Maloud. Ah, ce qui loupe, Maloud, elle est carrément trop bonne cette soirée. Ouais, c'est pas de chance, hein. Il a mal au crâne. Ouais, 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 il a mal au crâne, hein. Ouais. Et nous, on s'en fout, on fait la fête. Ouais. Ah. Elle a pas de culotte. Elle a pas de culotte. Allez, reviens, ma fille. Quelques jours après notre week-end, j'ai reçu un texto d'Aurélia disant qu'il fallait plus que je la revoie. Je la méritais pas. Putain, je comprends rien, c'est gonzesse. Putain.